Vous est-il déjà arrivé à la fin de l'été de bien vouloir ranger vos vélos dans la remise? D'y aller avec vos vélos, d'ouvrir la porte et de contempler un paysage plutôt décourageant. Des tas de boîtes mal rangées, des outils posés par-ci par-là, des vieux meubles que vous n'avez pas pu donner encore. Bref, un désordre qui a atteint son comble. Vous est-il déjà arrivé de démarrer votre ordinateur, de vouloir télécharger le dernier fichier qu'on vous a envoyé pour découvrir que votre disque dur est plein, parce que vous n'avez tout simplement pas eu le temps de faire un bon archivage? En venant vivre dans ce monde, Jésus trouva la situation spirituelle de son peuple quelque peu chaotique. Les rituels et les traditions religieuses s'entassaient par milliers. La situation interpersonnelle était à l'opposé de ce qu'elle aurait dû être. Et la situation politique, elle était tendue, prête à éclater. C'était le temps pour Jésus de faire un ménage, simplifier le tout et tourner, diriger le regard de tous vers l'essentiel. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au fil de l'Évangile. Je vous rappelle que cette émission se veut à être une étude biblique. Donc je vous invite, si vous voulez bien, à aller chercher vos Bibles, peut-être une feuille de papier, un crayon. Et puis, asseyez-vous confortablement alors que nous allons étudier une histoire de ménage. Notre invité aujourd'hui, Pasteur Scalier. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Notre invité a travaillé sur 3 continents différents, en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe. Ça fait 30 ans qu'il travaille pour le Seigneur. Pasteur, j'ai entendu le mot Afrique quand vous m'avez parlé. Je suis toujours intriguée. Quand on entend Afrique, on pense toujours aux histoires missionnaires. Qu'avez-vous fait en Afrique? Combien de temps êtes-vous resté en Afrique? J'ai travaillé en Afrique pendant 4 ans. J'étais responsable du travail d'évangélisation, entre autres dans le pays de la Côte d'Ivoire, pour l'Église adventiste du 7e jour. Mais ma tâche consistait surtout à former les pasteurs locaux. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'il s'agit d'adapter ici l'Évangile à une culture qui n'est pas la nôtre à l'origine. Une expérience passionnante. Étiez-vous avec votre famille pendant oui, ce temps-là? Oui, j'étais avec ma famille, oui, oui. Ça a dû être une expérience remarquable. Vous devez garder des beaux souvenirs. Absolument. De cette expérience. Pasteur, quel est l'épisode de la vie de Jésus que nous allons étudier aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons regarder un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21. C'est les versets 12 à 17 que nous appelons généralement ce ménage que Jésus fait dans le temple lorsqu'il chasse les vendeurs et les changeurs. La purification du temple. Eh bien, je vous invite de lire avec nous ce passage. Lisons ensemble ce passage. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ?» Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Pasteur, on vient de lire un passage qui semble assez sérieux. Pouvez-vous nous décrire un peu le contexte et l'ambiance de ce qu'on vient de lire? Oui, cet événement se passe dans les derniers jours de la vie de Jésus. Quelques jours avant, Jésus a accompli quelque chose d'extraordinaire, il a ressuscité un mort, résurrection de Lazare. Okay. La veille, juste le jour précédent, Jésus va vivre cette entrée triomphale à Jérusalem, assis sur un âne. Il va être reçu par la population comme le roi d'Israël. La population va le recevoir avec des cris « Hosanna au fils de David ». Et maintenant, Jésus rentre dans le temple. Il y a dans le temple, dans le parvis du temple, tout un commerce qui se fait parce que les voyageurs qui viennent de loin pour aller au temple ne vont pas transporter avec eux leurs animaux pour faire les sacrifices. Okay. Donc ils vont acheter sur place des animaux, mais ils vont l'acheter avec l'argent du temple. Donc ils doivent changer leur argent dans la monnaie du temple.
ça donne lieu à tout un commerce très profitable qui s'est installé dans le parvis. Et c'est contre cela que Jésus maintenant va réagir. C'était une exagération, en fait, qui se passait là. On vendait trop cher, est-ce que on exagérait, puis on allait chercher un peu, voler un peu les gens qui venaient, n'est-ce pas? C'est pas seulement de l'escroquerie, c'est une utilisation du temple qui est totalement inappropriée pour ce que le temple voulait être. Alors Jésus rentre dans le temple de Dieu. Par contre, l'évangile de Jean au chapitre 2 nous révèle que Jésus a déjà fait ce geste au début de son ministère. Pourquoi est-ce que maintenant, vers la fin de son ministère, presque 3 ans et demi plus tard, il a besoin de le refaire? C'est juste, l'évangile de Jean au chapitre 2 nous rappelle que Jésus a déjà fait ça au début de son ministère. Il le refait maintenant à la fin, parce qu'en réalité, l'exercice de son autorité au début n'a pas été accepté du tout. Les vendeurs ont repris leur place, les changeurs aussi, et tout a continué comme d'habitude. Ce n'est pas une situation nouvelle. Dans l'Ancien Testament déjà, on a cette même réaction de Dieu par rapport à ce qui se passe dans le temple. J'aimerais regarder ce texte avec vous, si vous voulez bien, oui, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 1er. À partir du verset 10, il y a là des paroles de l'Éternel rapportées par le prophète qui sont très fortes. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Et il s'adresse ici au chef religieux de Jérusalem. Oui. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Et un petit peu plus loin, il dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. On a donc déjà longtemps avant la venue de Jésus une réaction contre une profanation du temple. Qui n'était pas la seule et qui n'était pas la dernière non plus. Voilà. Toujours au verset 12, on voit que Jésus renverse les tables. C'est inhabituel de voir Jésus dans cette situation, posant ce genre de geste, alors qu'on connaît Jésus à travers sa vie, Jésus humble et doux de cœur. Que se passe-t-il avec Jésus? Est-ce qu'il est en colère? On a l'habitude d'avoir un Jésus doux et compatissant. Et cet événement est un petit peu choquant parce qu'il est contradictoire par rapport à l'image qu'on s'est faite d'un Jésus très doux, très mou. Mm-hmm. Cette histoire nous montre que Jésus n'est pas quelqu'un à qui il manque la colonne vertébrale. Jésus réagit ici et la colère n'est pas employée, le mot colère n'est pas employé dans le texte. Donc on ne peut pas dire qu'il est nécessairement en colère. Et Jésus n'est pas nécessairement en colère ici, mais Jésus a été introduit comme roi le jour précédent. Jésus ici agit comme roi dans son royaume, dans sa maison. Il utilise son autorité royale. Et on s'étonne qu'il l'emploie. Maintenant, vous savez, souvent on va utiliser ce verset pour justifier notre colère. Je peux me fâcher contre mon frère, je peux me fâcher contre mon semblable. Jésus l'a fait. Est-ce qu'il y a une différence entre la colère humaine versus la colère divine? Alors, colère des hommes, colère de Dieu. Ouais. Jésus ici, on emploie pour lui la notion de colère. Mais en réalité, Jésus ici exprime son indignation profonde face au mal qui se fait, à l'escroquerie qui se fait dans sa maison. C'est tout à fait différent de notre colère qui est la perte du contrôle de soi. On ne peut donc pas prendre les actions de Jésus ici pour justifier notre perte de contrôle de soi. Car la colère humaine n'accomplit pas le dessein de Dieu. Elle n'accomplit pas le dessein de Dieu. On n'a pas un jugement clair, on perd toute raison et toute pensée claire. Maintenant, les pharisiens, les vendeurs, probablement leurs animaux aussi, tout le monde se sauve. Comment est-il possible qu'un seul homme puisse mettre autant de gens à la fuite? C'est probablement ce qu'ils se sont demandé eux-mêmes. Mais je crois que la divinité de Jésus ici transparaît au travers de son humanité. La simple présence de Jésus, Dieu, remplit ces gens de terreur et les fait fuir. Ils sont d'ailleurs, je pense, humiliés d'avoir fui en si grand nombre devant un individu, leur ennemi d'ailleurs, et ils se sauvent. Alors, ici apparaît une notion importante
que nous avons tendance à oublier. Nous avons fait de Jésus le bon copain. Mais Jésus, il est aussi le Tout-Puissant. Il est le Dieu éloigné, c'est vrai, il est le Dieu proche, il est le Dieu ami, mais il est le Créateur. Il est celui qui a parlé au mont Sinaï. Il est les deux, et on ne peut pas faire abstraction d'une notion ou d'une autre. Nous avons besoin, je crois, de voir Jésus dans la complexité de sa personne et dans la richesse de sa personne, étant pleinement homme, pleinement Dieu, et de comprendre que, au-delà du Jésus copain que l'on a fait, image d'Épinal peut-être, il y a Dieu venu parmi les hommes, Emmanuel. Donc quand on dit Dieu copain, on fait nécessairement allusion à une notion de révérence. Comment peut-on empêcher que cette notion de révérence nous échappe et comment peut-on garder la révérence envers Dieu? C'est effectivement ce qui est arrivé aux gens de cette époque-là par rapport au temple. Ils ont utilisé le temple pour un profit personnel et non plus pour l'objectif que Dieu avait par rapport au temple. Si on réalise qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à Dieu, alors la révérence naît naturellement de cette rencontre-là. Je pense par exemple aux prophètes qui, dans leur vision, voient Dieu ou une représentation de Dieu et qui sont complètement écrasés par la confrontation avec la présence de Dieu. Je pense au prophète Ésaïe, Ézéchiel et aux autres, et à Jean dans l'Apocalypse. Par conséquent, lorsque Dieu, à nos yeux, prend sa place et que nous avons la nôtre, de là va naître cette notion de révérence, de respect, qui est le premier pas vers l'adoration. Qui ne nous empêche pas d'aimer Dieu de tout notre cœur. C'est une composante de l'adoration. De l'amour. Mmh. Et ici, le temple est en réalité destiné à l'adoration. Et le parvis du temple a préparé à l'adoration. A préparé à entrer à la prochaine étape. Maintenant, les versets 14 et 15 nous disent que des aveugles et des boiteux s'approchent de lui dans le temple et il est guéri. Des enfants crient dans le temple, « Hosanna au Fils de Dieu ». Alors c'est une histoire curieuse parce qu'il y a quelques moments, Jésus libère le temple des vendeurs et des pharisiens et le temple se remplit presque immédiatement par la suite. Comment vous expliquez ce phénomène de vider et remplir? Oui, il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. Jésus vide le temple des marchands et des changeurs, il renvoie les animaux, il va laisser d'ailleurs le temple dans un désordre incroyable, et lui va le remplir avec une autre population, les malades. Et curieusement, eux ne sont pas repoussés par sa présence, comme l'étaient les marchands et les vendeurs. Eux, au contraire, sont attirés par la présence de Jésus. Et on va entendre dans le parvis du temple ce qu'on entendait hier dans les rues de Jérusalem, « Hosanna au fils de David ». Et c'est là que les chefs religieux vont être scandalisés. Ils ne sont pas scandalisés de ce qui se passe comme commerce dans le temple, mais ils sont scandalisés d'entendre les gens sauter de joie parce qu'ils ont été guéris par Jésus. Ils sont scandalisés de voir les enfants sauter sur les genoux de Jésus et aimer Jésus comme eux n'arrivent pas à le faire. Justement, le terme « fils de David » employé par les enfants est un terme qui scandalise les dignitaires, mais également qui confirme la messianité de Jésus. C'est justement ce qui les dérange. C'est ça, les autorités du temple ne veulent pas entendre ça. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'ils confrontent son autorité? Mais les chefs religieux se considéraient comme les gardiens du temple. Et voilà tout d'un coup quelqu'un qui vient et qui fait ce qu'ils auraient dû faire. Donc, il y a un malaise énorme. Le lendemain de cet événement-là, les chefs du temple vont confronter Jésus sur la question de l'autorité. Et vont lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Donc c'est une face-à-face de deux autorités maintenant. C'est une confrontation. Alors Jésus va réagir et leur dire, je réponds à votre question si vous répondez à la mienne. Et il leur dit, Jean-Baptiste, par quelle autorité pensez-vous qu'il faisait ce qu'il faisait? Et là, il n'y a pas de réponse. Parce que s'ils disent « ça vient de Dieu », Jésus va leur dire « mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas ce qu'il a dit ? Il a dit que j'étais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ainsi qu'il a été introduit. » S'ils disent « ce n'est pas de Dieu »,
Jésus va leur dire, mais alors pourquoi est-ce que vous allez vous faire baptiser par lui? Ils sont coincés. Ils voulaient imposer leur autorité, et elle est encore détruite plus que jamais. Et puis, dans cette confrontation, il vient lui dire, vraiment, je peux même voir l'expression de leur visage, « Entendu ce qu'ils disent, les enfants ?» Et Jésus leur répond « Oui ». Et leur répond en citant une prophétie, leur suggérant qu'il est en train d'accomplir une prophétie. Quelle est cette prophétie et qu'en est-il de cet aspect-là, prophétique? En effet, souvent dans l'Évangile, les évangélistes essaient de montrer que Jésus, dans ce qu'il fait, n'est pas en train d'agir au hasard, mais il accomplit une prophétie. Et ici, dans ce cas particulier, il y a référence à cette prophétie qui se trouve dans le livre des psaumes. Le psaume 8 est extrêmement intéressant. Permettez que je vous lise juste un ou deux versets du psaume 8. Au verset 2, il est dit par exemple, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. » C'est exactement ce que Jésus vit dans le temple, dans cet événement, à ce moment-là. C'est l'accomplissement de ce qui est écrit dans les psaumes. Les enfants qui louent le Seigneur et les adversaires, les pharisiens qui sont complètement confrontés par ça, puis indignés. Maintenant, si on recule un peu, une vue aérienne, si je pourrais dire ça, le temple dans le Nouveau Testament a peut-être une autre signification plus large. Quelle est la symbolique du temple à la lumière de cette histoire? Oh, c'est un grand sujet. En fait, il y a dans les Écritures 7 extensions du temple. Mais j'aimerais en prendre 3 qui nous touchent plus directement. Rapidement, oui. Tout d'abord, l'extension du temple dans l'Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle que lorsque Jésus revient, il vient chercher l'épouse, sans rides, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. D'accord. Donc, Jésus veut aussi purifier son Église. Il y a là aussi un ménage à faire dans la manière dont nous vivons l'Église, dans la mentalité que nous avons dans le service de l'Église. Les deux autres notions. Les deux autres notions. La suivante, c'est nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nécessairement, Jésus voudrait faire aussi du ménage dans le commerce qui s'est installé en nous. Il y a nécessairement du tri à faire dans notre vie personnelle. Il y a une autre dimension qui a aussi des implications à notre égard, c'est la purification du temple dans le ciel. Dans la prophétie de Daniel, par exemple, on apprend au chapitre 8 et 9 qu'il y a une purification du sanctuaire céleste qui avait servi de modèle à Moïse pour construire le temple sur la terre. Cette purification du sanctuaire est en fait un jugement que Dieu fait juste avant le retour de Jésus. Donc le geste que Jésus pose à ce moment-là est en lui-même aussi une prophétie par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le temple céleste. Absolument, c'est une prophétie et qui a une implication pour nous. Parce que ce jugement, il est bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Expliquez-moi. Il est bonne nouvelle pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'accord. Dans l'évangile de Jean, on apprend que le Père a remis tout jugement au Fils. Lorsque Jésus me juge, il est aussi mon avocat. Si je reçois l'autorité de Jésus, à ce moment-là, le jugement est une réhabilitation. Les psaumes d'ailleurs mentionnent que le jugement est une bonne nouvelle pour celui qui est en Jésus-Christ. Le psaume 98, par exemple, annonce « Poussez des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre ». Comment peut-on être dans la joie si Dieu juge? Simplement parce que, ayant reçu l'autorité du Christ, notre cœur a été purifié. Il purifie notre cœur, il a autorité. On n'a rien à craindre au moment. C'est mauvaise nouvelle, par contre, pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Là, ça représente un jugement qui est représenté aussi par l'action des vendeurs qui se sauvent et qui partent parce que la présence de Jésus devient insupportable pour eux.
Je pense que ce sujet, peut-être une autre fois, on pourra en parler vraiment en long et en large. Le jugement des derniers jours est vraiment très, très important et peut-être même quelque chose qu'on pourra en discuter une autre fois. Maintenant, oui, Jésus fait ce geste, ce sont ses derniers moments, ses derniers jours. Est-ce que cela a une importance à ce moment-là, plus particulière ou est-ce que c'est plus important que la première purification qu'il a faite? Ce que Jésus fait à ce moment-là remplit les chefs religieux de colère à son égard. Jésus vide le temple de ceux qui font du commerce et du profit et lui s'installe dans le temple pour servir et pour guérir. Maintenant, Jésus ici va accomplir son ministère auprès des malades, des enfants. Lorsque Jésus va partir, ils vont revenir avec leur commerce dans le temple. Si bien que 2 jours après, selon l'évangile de Matthieu, on va entendre Jésus se plaindre sur Jérusalem. Il suffirait de tourner 2 pages. Par exemple, dans le même évangile de Matthieu, chapitre 23, Jésus a ici des paroles vraiment poignantes. Au verset 37, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » On sent la détresse de Jésus. La détresse de Jésus est énorme et la compassion de Jésus est au maximum. L'image d'une poule qui rassemble ses poussins, c'est la tendresse même de Jésus qui ressort, mais qui dit « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que je revienne. » C'était votre dernière chance. C'était la dernière chance. Mm-hmm. Et en faisant cela, Jésus en fait accomplit ici une prophétie extrêmement intéressante que l'on trouve dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 11, où dans une vision, le prophète voit la Shekinah, la présence de Dieu, quitter la ville, quitter le temple et aller se poser sur la montagne orientale. La montagne orientale, c'est le mont des Oliviers. Or, juste après ces paroles que l'on vient de lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, il nous est dit que Jésus va sur le mont des Oliviers et prononce le fameux discours sur les signes des temps. Jésus n'entrera plus jamais dans le temple de Jérusalem. D'ailleurs, il dit, dans le texte que nous avons lu, « Votre maison vous sera laissée déserte. » C'est complètement détaché de la maison. Alors qu'au départ de notre texte, il nous était dit « Jésus entra dans le temple de Dieu. » Donc, il y a une grande différence entre les deux. Maintenant, nous venons d'étudier la symbolique du temple dans son ensemble. Et tout ce qui entoure cet événement de purification que Jésus a fait à ce moment-là. Mais maintenant, dans ma vie quotidienne, il nous reste à peu près 2 minutes. Dans ma vie quotidienne, comment est-ce que cet événement peut toucher mon quotidien afin de m'aider à m'approcher de Dieu, afin de transformer ma vie? Sur quel aspect? Alors, j'aimerais reprendre les 3 dimensions qu'on a mentionnées tout à l'heure. D'abord, dans l'Église. Quel est mon état d'esprit dans le ministère que j'accomplis au sein de l'Église? Est-ce que c'est pour servir? Est-ce que c'est pour guérir? Ou est-ce que c'est pour un profit personnel quelconque? Deuxièmement, par rapport à moi, est-ce que j'accepte que Dieu fasse du ménage dans ma vie, dans mon parvis, dans ma maison? Qu'y a-t-il dans ma maison? Des livres, des films, des DVD, des revues, des substances? Que sais-je? Qu'y a-t-il dans ma maison que Jésus a besoin de mettre dehors pour que son autorité puisse s'établir dans ma famille, dans ma maison, comme il voudrait le faire? Et puis finalement, bien entendu, dans ma vie intérieure, dans mon sanctuaire profond, mes pensées, mes choix, mon caractère finalement, mes émotions, est-ce qu'il y a du ménage que Jésus a à faire pour avoir pleinement autorité en moi et pour précisément me préparer à son retour? En réalité, je crois que la situation que l'on a ici, dans l'évangile de Matthieu, est un appel au réveil et à la réforme. Jésus dit aux gens de son temps, écoutez, réveillez-vous, regardez ce que vous avez fait de mon temple et appliquez une réforme. Un appel au réveil
va déboucher nécessairement sur une réforme. Et la réforme sera durable et vraie dans la mesure où le réveil sera authentique. Jésus ici invite à ces deux choses-là. Pasteur, je vous remercie beaucoup de nous avoir dirigés, conduits à travers cette étude. J'espère et je prie pour que nous puissions ouvrir nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse nous indiquer quels sont les domaines dans notre vie que nous devons corriger. Et j'espère aussi que nos auditeurs ont pu peut-être enrichir leur vie et faire une analyse sincère de leur vie pour que le Saint-Esprit puisse personnellement leur donner un cheminement de réveil et de réforme dans leur vie. Effectivement, Jésus aimerait faire de notre maison une maison de prière. Pourquoi ne pas demander au Seigneur de nous guider à travers ce processus de purification qui ne peut se faire qu'à genoux, individuellement et personnellement? D'ailleurs, si vous aimeriez continuer votre méditation par rapport à cette deuxième purification de temple dans l'Évangile de Matthieu, nous vous proposons de lire le chapitre « Le temple purifié à nouveau » dans le livre « Jésus-Christ ». Si vous ne possédez pas le livre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Également, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez un passage de l'Évangile que vous aimeriez nous proposer, n'hésitez pas à nous écrire également à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous remercie d'avoir partagé ces moments avec nous. Au plaisir de vous retrouver à nouveau à l'émission « Au fil de l'Évangile ».